Yo, plan, c'est Brian. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, en fait, la vidéo, ce sera sur une porte à code. Même si certains savent déjà comment faire grâce à d'autres tutos. Bah, je fais quand même vu que c'est ma première vidéo tuto Minecraft. Enfin, non, c'est ma deuxième plutôt. Il faudra un levier, une torche de redstone. La redstone. De la redstone plutôt. Déjà comme ça. Un bloc. Porte en fer. Bon, aussi, les portes en fer, ça peut être cassé en mode survie, mais genre, vous pouvez faire une map survie. Alors, vous dites de ne pas casser de blocs. Il faut non, un bloc aussi. Moi je prends ce bloc là. Pour être clair quoi donc déjà. L'encadrement de la porte. Si vous faites comme ça. Et vous remettez comme ça. Et vous terminez comme ça. Donc c'est ce qui nous donne ça. Donc alors vous faites comme ça. Et donc ma tablette baigne un petit peu. Un, deux, trois, donc vous mettez un, deux, donc vous marquez sur le panneau plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je vous mets des leviers. Vous mettez des leviers, pardon. J'ai pas parlé. C'est ça, c'est bon, je vous fais que ça. Comme ça, bon, ça c'est le jeu. Mais moi je vais prendre un tuto. Donc c'est la porte à côté comme ça. Faire. Attendez, je vois. Donc au lieu de faire 1, 5, 2, 6, bah, ça va donner 3, 2, 6. Oh là là, quelque chose qui vient de tomber derrière moi, ça c'est pas bon signe. Ah, c'est pas grave, c'est juste un petit flacon, truc, savon. Ça faisait 3, 2, 6. Une fois, il me semble que je l'ai fait, je ne sais plus si ça va marcher. Vous mettez trois blocs comme ça, deux blocs comme ça. Oula. Vous avez comme ça, ensuite vous faites comme ça. Donc après, vous mettez des... Oula. La redstone ici. Désolé si on n'entend pas parler dans la vidéo. Désolé si on n'entend pas trop bien parler. Donc voilà, comme ça là. Et c'est bon. Il n'y a plus qu'à recouvrir le tout. Oui. Oui, pardon, parce que je suis en train d'accueillir, mais on dit que ce que je vais me dépêcher si je veux du chocolat. Mais bon. Oui, je sais, ça fait un petit peu que je suis gourmand, mais bon. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez faire une salle, mais bon, c'est la méthode rapide.
Oui, s'il y a des gens qui rigolent, c'est pas, c'est des gens qu'on accueille. Enfin, c'est des gens, non, pas qu'on accueille. Qu'est-ce que j'étais envoyé par ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais genre, en fait, c'est des gens avec un enfant, avec un garçon qui s'appelle Bastien et une petite fille qui s'appelle Lilia. Donc, on m'a rappelé, vous voyez. La mère s'appelle Laetitia et le père s'appelle Ludo. Je suis ça, mais bon. Oula. Alors, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont marché. Et alors, pour que le système Redstone ne marche plus comme ça, vous faites tac. Oula. Donc voilà. On va dire par exemple là, en fait, tac, la porte sur fond. Et je vais vous montrer. Là, je crois que j'avais cassé le bug. Bon, j'ai dit plein de oula, 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 oula. Et on a beau faire quoi que ce soit, la porte restera toujours fermée. Et donc, pour la réactiver, c'est très simple. Il suffit de casser le levier et de remettre les blocs. Donc là, ça rend que c'est réactivé. Mais vous pouvez bien voir que si je l'active, je me suis barré. Fail. Voilà. Bon, c'était Brian Bellamy. Ouais, non, Brian Bellamy. Brian Bellamy, je veux dire. Oui, parce que j'ai deux noms de famille, c'est Brian Bellaouni Bellaouni Oubi, et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc je me suis embrouillée. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira pour une porte à code. Mais certaines, enfin presque tous, ne connaîtront pas celui-là, vu que en fait j'ai changé de code. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao, c'était Brian Bellaouni.